Il tire la sonnette d'alarme. Les agents de la TAM, massivement en grève aujourd'hui, dénoncent des conditions de travail fortement dégradées. On a 70% des lignes de bus qui sont en retard tous les jours. Donc on a un service public qui n'est pas au niveau pour nos usagers, métropole et hors métropole. Donc si nos conditions de travail sont dégradées, le service public est dégradé. Des retards notamment liés au manque de trams sur certaines lignes. On voudrait plus de trams, des temps de parcours plus longs et de façon à arriver sans être stressé au travail. Un peu plus d'embauche. Un peu plus de conducteurs. Ils disent aussi pâtir des nouvelles limitations de vitesse sur Montpellier, de la circulation des cyclistes sur les voies de bus. Augmentation des incivilités, risque d'accident. Ces conducteurs disent venir au travail avec la peur au ventre. Les vélos circulent avec les oreillettes. Quand les vélos circulent à contresens, nous on a un bus, on a la responsabilité des gens. On a toujours peur de renverser quelqu'un, de faire un accident. Les accidents ces derniers temps, ça a été catastrophique, limite un par jour. Pour maintenir leur pouvoir d'achat au niveau de l'inflation, ils réclament aussi une augmentation des salaires. Aujourd'hui, aucun bus, aucun tramway ne circulent.